Dans cette équation différentielle, nous pouvons mettre tout ce qui est en y d'un côté du signe d'égalité et tout ce qui est en x de l'autre côté du signe d'égalité, comme ceci. On dit que cette équation différentielle est à variable séparable. Maintenant, il suffit de prendre des deux côtés la primitive, et ces deux primitives sont évidemment égales à une constante additive près, constante que j'appelle ici C1. Primitive de y dy, c'est y carré demi, et primitive de x dx, ça c'est x carré demi. Cette égalité, on peut encore la multiplier par 2, ce qui donnera y au carré est égal à x au carré plus 2 fois cette constante C1. La constante 2C1, je l'appelle C. Maintenant, il suffit de faire passer le carré de l'autre côté du signe d'égalité, où il devient plus ou moins racine carrée. Donc, y est égal à plus ou moins la racine carrée de x carré plus une constante arbitraire. Ça, c'est la solution générale de cette équation différentielle.